Uniforme, quelle est la situation du paquet? Je suis sur la plage à 1 km ouest de l'hôtel. Vous me voyez? Affirmatif, Résor. Le paquet est transporté par bateau vers le sud, le drone le surveille. Nous avons déjà convenu d'une interception et on vous guidera au fur et à mesure. Mérinov et Kalalo semblent se diriger vers une piste à 2 km au sud. Neutralisez-les, Résor. Ne les laissez pas s'en sortir avec cette arme biologique. Compris, je suis en route. Allez, salut tout le monde, c'est Roro14, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 du Let's Play sur Sniper Ghost Warrior 2. Et on va continuer cette aventure ensemble par une mission aux Philippines, j'ai l'impression. On doit récupérer un paquet sur un bateau, si j'ai bien compris le truc. J'avais pas branché le casque, donc c'est un peu dur. En tout cas, on continue cette aventure. Je suis assez content de votre réaction suivant cela, par rapport à ce Let's Play. Comme je vous ai déjà dit sur ma chaîne, j'essaie de vous proposer un max de choses, c'est-à-dire entre le du Assassin's Creed, du Minecraft, je veux faire vraiment un truc diversifié à mort pour pouvoir séduire et je dis beaucoup ce quand ça s'appelle, on me l'a fait remarquer l'autre jour sur Skype. Non, pour que un maximum de personnes soient servies entre guillemets. Je ne trouve pas mes mots. Alors. Que je me rappelle des touches parce que je sors d'assassin. Sous haute surveillance. Y a-t-il un autre moyen d'accéder à la cible? Terminé. Négatif. On reçoit aussi des signaux thermiques indiquant des véhicules près de la rangée d'arbres. Tu dois mener une attaque rapide et discrète depuis cette position. Ok, ça marche. Parfait. On peut mettre le bipied ou pas? Non, on peut pas mettre le bipied. C'est un peu emmerdant. Alors, regardons où sont les ennemis. On va déjà les marquer. Ouais, non, ils sont déjà marqués. C'est pas grave. On va regarder comment ils se regardent. Est-ce qu'ils regardent? Lui regarde lui. Attendez. Au-dessus, il y a qui? Il y en a un au-dessus. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est... Alors, je sais pas du tout où est le vent. Oups. Il fait me repérer. Ça commence mal. Je regarde par rapport aux flèches. Il y en a un qui est tout seul là-bas sur le ponton. On va se le faire. J'attends de reprendre mon souffle. Écoute-toi. Je regarde parce qu'il y en a un autre à gauche qui va peut-être le regarder. Non, allez, c'est parti. Au revoir. On va deux. Lui, personne ne le regarde, il a pas d'amis. Bon. Il en reste un ou deux. On va se le faire. Et le dernier, il est. Merde. Gauche. Ah, je le vois pas. Vraiment, je l'ai dans mon champ de vision. Là. Je pas. Coucou. Je vais attendre qu'il se calme, qu'il se stabilise. Parti. Oh là là, c'est magnifique. Allez, dans la tête, on part. Signal thermique dans la maison, prenez l'avant-poste. Compris, je peux aller la zone. On a du nouveau, le bateau est à quai et semble être réapprovisionné. Les otages sont-ils transférés? Terminé. Négatif. Un gars juste là. J'ai l'impression qu'il va être en l'air. Je sais pas pourquoi. Il y a des passerelles là-haut. On va vraiment faire gaffe. Je vais voir ça. Et par là, non, ça va, il est marqué en plus. Ça. C'est bon, t'as pas eu le temps de me repérer, toi. Parfait, parfait. On continue. On va aller prendre l'avant-poste. Ils m'ont dit des vacances tranquilles. J'aime bien le nom des trophées des fois que les jeux donnent. Fallait où? J'espère que je vais pas tomber sur un ennemi parce que là. Le paquet entre dans une marina au pied d'une station de téléphérique. C'est une occasion de prendre de l'avance. Parce que là, vu le rythme cardiaque, on est mal barré. Je crois que je peux même pas courir plus. Lol, ça je m'en ai foutu ça. Si on a notre rythme cardiaque trop élevé, on peut pas courir plus vite. Faut attendre qu'il y redescende. Faut s'arrêter de courir. Ah, c'est marrant. C'est bien fait. C'est très bien fait même. Là on est en solo, hein. On est vraiment tout seul. On doit récupérer.
Oula. Quelqu'un là-haut? Oui. On est vraiment tout seul, tout seul. On a plus notre guetteur. On l'a pas eu longtemps notre guetteur, hein, n'empêche. On l'a eu. Attention, ouh, il y a du monde. Drone en haut du mur en face. Haut du mur en face. C'est parti, on se couche. On se calme. Oh, il est beau, lui. Ouh. Combien il y a de points? 6. De toute façon, j'ai le point pour m'aider. Allez, au revoir le drone. Où est l'objectif? Rendez-vous au bunker sans vous faire repérer. Est-ce qu'on les tue? On va avancer tout doucement. On va pas les tuer. Je suis un mec pacifiste. Par contre, s'ils me repèrent, je vais les tuer. Il n'y a pas de soucis. Hein. On va essayer de pas les tuer. Oh, il va me voir. Non. Non, il m'a pas vu. Bon, là, il va me voir. Si je passe là, il va me voir. On va être obligé de le tuer. Coucou. Adios. Perfect. Ton pote là-bas. Pareil, même le combat. Dans la nuque. Là-bas. Je peux pas le voir. Si, c'est bon. On se stabilise. Calme-toi. Oh là là. Et lui. Je suis pas du tout stabilisé. Et on est mort. Et le petit dernier ici. Ciao. Oh putain. Et merde. Il est où. Putain, je l'ai perdu. Non. Calme-toi. Ah putain. D'accord, on se couche pas, c'est plus dur. Hein. Calme-toi, hop, on souffle. Oh, dans l'œil. Lui, dans l'œil. Voilà. Je sais pas si ça compte comme repérer, non. Ouh, on a eu du cul, hein. On ne sait pas faire PM, mais c'était juste. Hein. On a eu de la chance sur ce coup-là. Pas vraiment, quand on se met debout pour viser, c'est une horreur, hein. C'est impossible. Affirmatif. Y a-t-il un moyen de continuer sans me faire dessouder? Passe la barrière sur la droite et attends les instructions. On cherche une brèche. Assure-toi d'avoir une idée claire de la situation avant d'agir. Pas le côté gauche. Trop exposé et trop serré. Peux-tu atteindre le sommet sur la droite pour faire un point d'observation? Sommet sur la droite? Négatif. Deux ennemis me bloquent la route. On prend notre pistolet, c'est pas grave. Hein. On prend bien là. Un ennemi solitaire sur votre chemin, il faut l'éliminer. T'inquiète. On va mettre en mode splitter cell. Voilà. Les autres ils se regardent, c'est le chien. Ça qui est chiant, les autres se regardent. La zone à ma droite est toujours inaccessible. Cage au coin nord-est de la station, c'est la route qu'il faut prendre. Ok, c'est bon, putain. Attaque les deux gardes sur le site. Ils sont où? On peut pas rentrer par là? Non. J'aimerais bien le faire, c'est qui est là-bas, là, tout seul. Je sais pas si c'est faisable. Il est où? Est-ce que je peux le voir d'ici? C'est pas derrière le mur. Non, je suis pas sûr qu'il soit accessible ici. C'est lui ça? Continue jusqu'au sommet, tu seras presque invisible dans les feuillages. Toi, c'est pareil, bye bye. Voilà. Oh, je me suis repéré. Non. Parfait. C'était un coup de maître. Faut que je remonte? Complètement con. Je peux pas remonter là. Voilà, je me suis fait baiser. Pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Oh, comment il peut me voir lui? Il est où?
Où est-ce qu'ils sont? Что это было? Вашей для шанса. Может, зверь какой? C'est bon, nickel. J'ai vraiment de la chance. Je les avais pas vus, je pensais qu'ils étaient au même niveau que moi au début. Mais non, c'était pas le cas. Faut grimper ici. Allez mon bonhomme, on grimpe. On grimpe sur la petite caisse. Hop, hop, nickel. On va essayer de trouver un point haut, je suppose. Ah, c'est sympa cet endroit. C'est cossu, c'est mignon. 3-2, je suis sur une falaise surplombant une station de téléphérique. Il y a du mouvement de l'autre côté. Affirmatif. La vidéo montre qu'il y a des sentinelles au poste d'observation de l'autre côté. Descends d'abord celui qui est le plus haut. Ok, bien reçu. Il y a du monde. Hein. La seule option, c'est le côté droit de la falaise et sauter. L'eau amortira ta chute. Il y a du monde. Alors, sentinelle, c'est parti. Toc, toc. Bouge pas, bonhomme. C'est le truc qui arrive. Je sais pas du tout où viser. J'ai pas de. Je peux pas faire plus de zoom? Ah non, je suis max. Alors c'est ça, je comprends pas. Le vent s'ouvre vers la gauche et la balle forcément partira plus vers la droite. C'est ça, je comprends pas. Normalement, si le vent s'ouvre vers la gauche, le point rouge devrait être vers la gauche. Je comprends pas. Ah oui, t'es carrément couché toi. Et ciao. Prends des touches. Hop là. Au revoir. Le suivant. Le champ est libre. Autorisation d'avancer. Ça marche. Pas de soucis, j'avance. Allez, c'est chaud là, c'est chaud. On y croit. Ah, faut que je saute. Yas, j'ai sauvé ta peau. Oh, elle est bien foutue l'eau, j'aime bien. Trésor, quelle est ta position? Oh, un peu plus haut que prévu, mais je survivrai. Ravi de la prendre. Je te survivrai. Frayez-vous un chemin jusqu'à la station. Ennemi repéré par caméra infrarouge dans la maison devant vous. Ça marche, j'ai pas de soucis. Alors, on va se mettre couché déjà, ça nous aidera plus. On va se mettre à ras de l'eau, ça ne verront pas. Les feuilles vont faire chier. Alors les deux là, ils se parlent, ça va pas. On va se faire d'abord celui en haut. Coucou. Voilà. Ils se parlent toujours là-bas, ouais. Voilà. Lui, il va repartir là-bas. Oh. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu. Et merde. Toi aussi, tu vas bien. Respecter la plage, ils m'ont pas vu pour l'instant, je crois pas. On serait bien qu'il se lève lui. Ciao ciao. Allez, ça c'est fait. On a eu de la chance quand même parce qu'on a failli se faire ken. J'ai failli me faire ken. On va aller voir s'il y a des poissons. Il n'y a pas de poissons dans cette eau. Ça, c'est pas de foutu. Ah, c'est marrant, on peut passer sous la maison et tout. On aurait pu passer par là, quoi. Allez, on va devoir prendre un point haut, je pense. On va faire du gros snipe aujourd'hui. Je sais pas du tout dans cet épisode si on va avoir accès au gros gros snipe. Et ici, j'ai déjà nettoyé normalement. Faut que je me calme, j'ai 160 pulsations minutes, c'est un peu beaucoup. Rendez-vous à la station inférieure. Okay. Le spectacle commence. Oh, c'est bon ça, on monte. On monte, je sais pas du tout ce qui m'attend là-haut. Oh putain, y'a un gars. Je le tue ou pas? Faut le tuer, non? Ah, normalement, c'est bon, il n'y a pas d'autres gars derrière. J'ai pas vu d'autres gars derrière. Le mec, il trouve pas ça bizarre. Hein. Tu sais, il y a un téléphérique qui arrive, salut, mais non, hein. Tout va bien. Il n'y a aucun souci. Est-ce que la roue tourne? Non, ça c'est mal fait. Ça. C'est un petit détail qu'ils ont oublié. Normalement, la roue de traction devrait tourner au-dessus, mais non.
Nul. J'arrête le let's play. Eh oui, c'est un défaut. Putain. Il y a du monde. Ouh, il y a du monde. Ok, ça marche, on est parti. Toi là-bas, tu vas crever. On est à combien? Ah, il n'y a pas de vent du tout, ça c'est plutôt cool. Hop, il y en a un. C'est bon. Il y en a trois à gauche et un à droite. Le 1 à droite, faut que je me le fasse tout de suite. Faut pas être emmerdé après. Toc, c'est bon. À gauche. Toi là-bas, petit campeur là. Hop, ça c'est bon. Ici. Ah oui, là. Oh putain, juste dessus. Ça c'est pas bon. Ça. Non. Stop. Aïe, putain. C'est un snipe à verrou. Je déteste les snipes à verrou. C'est bon. Nickel. Et le petit dernier qui est là-bas. Allez, on respire un peu. Hop, c'est parti. C'est bon, nickel. On les a eu. Ça c'est vraiment hardcore de viser en étant debout. Parce qu'on a beau avoir les pulsations au minimum, j'en prends note. Notre arme bouge à mort, en fait le viseur bouge à mort. On est moins stable que couché. Assurez-vous qu'il donc c'est vraiment pas facile. Ce spécial en place cette fois-ci. J'ai aussi l'intention de sortir nos hommes, ou éléments de mission secondaire si vous préférez, vivants de ce bourbier, à tout prix. 3-2 terminé. Oh, il se fait respecter un petit peu là. Ah, on est en hauteur. Oh, il va y avoir du long shot. Oui. Objectif atteint. Il veut sauver ses coéquipiers hein, qui ont été capturés dans l'épisode précédent, si je me souviens bien. Négatif. Ouais. Hélico en approche à 6h. Soyez discret. Eh ben moi je tire dans l'hélico, moi. Je l'explose. Qu'est-ce qui se passe? Atterri. Je vois Kalalo. Merinov n'est pas là, ni le paquet. Yakalalo. Mouvement près de l'aérodrome à l'est. Ok, cible prioritaire en vue. Ouh. Confirmation visuelle que le paquet est en chargement dans l'avion. Ouh, bombe chimique. Aïe, bombe chimique. Nos hommes n'étaient pas censés être inclus avec la livraison du paquet. Permission de récupérer nos hommes. Négatif, l'objectif principal est l'arme biologique. On peut s'occuper des alliés après. Général, je suis sûr qu'ils vont nous... vue d'ensemble de la situation. Et je recommande fortement de récupérer les soldats alliés et d'intercepter l'avion en vol. Négatif. Nous n'avons aucun moyen de l'intercepter. C'est un ordre direct du commandement. La cible est la priorité. Continuez la mission, bien reçu. Nicole s'est touchée. Putain, ils sont en train de descendre nos hommes. Attends. On va le sauver, notre pote, parce que... C'est bon, là. Oh. Il y a 8 degrés de vent. Je sais pas du tout où il faut que je le tire. Là. Il est sans défense. Couvre-le. Tu me dois 2 bières maintenant. Toi, tu vas te calmer tout de suite. Pas mon pote comme ça. Voilà. Oh, j'aurais pu me donner une grosse snipe. Allez, mon pote. Vas-y. Je te couvre. T'inquiète. Oh. Attends, il faut absolument. Allez, adios, mec, t'es mort. Voilà, c'est comme ça que je te défends. Moi. Allez, une caisse entière. Un camion bientôt. Putain, il va où? Ici Dias, AC1 337. Vous m'entendez? Ici Résor 3-2. Bien content d'entendre ta voix, Alias. De même, l'ami. Tu vas avoir besoin d'aide pour sortir de là. J'ai un automatique rouillé et peu de munitions. La côte est dégagée? Non. Ok, alors j'y vais. Hein? Ok, j'arrive. Je vais te perdre dans un instant. Je change de position, bouge pas. Au sud, dépêche-toi. Ouais bah, je fais ce que je peux. Et qu'il y a pas de foot dans cette merdier là. Ok, c'est bon, bouge pas. Toi, tu vas mourir tout de suite. Voilà. Ton pote là-bas, je sais pas où il est, mais il va mourir aussi. Voilà. T'inquiète, je te coupe, mec. Pas de soucis. Ah, là, y'a un ennemi. Ah merde, je vais faire comme dans BF. J'allais le marquer. Oh putain, y'a du monde là.
Oh, il va falloir se retirer de Duke. Tac. Sauver... Hop, 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 tout de suite, je le mets tout de suite. Voilà. Toi, t'es ouf de tirer sur mon pote comme ça. Nickel. Et toi là-haut, petit camper. Coucou. Là, je commence à gérer un petit peu la visée et la distance, hein. Par rapport au vent et tout. C'est pas mal. Il est où, il est où? Ah oui. Prenez le lance-roquette. Je peux le battre normalement. Je peux abattre la tourelle au moins. T'en bouge pas. T'en bouge pas. Non, je suis trop loin. Merde. Attends, il est où, il est où, il est où? Oh bah, ça c'est fait. Dans le sac. Parfait, mec. L'avion a décollé. Putain. Merde. Wheeler va vouloir ma tête pour ça. Claire. Ça va mal finir. À Sarajevo. Pourquoi il y a une bombe qui a pété à Sarajevo? Je dois descendre cette falaise. Je te rejoins à 500 mètres vers l'ouest. Ok, compris. Cool. Merci, mec. Sors de là. T'inquiète, t'inquiète. De toute façon, tu me dois un camion de bière, là. Au moins. Ce n'est pas une usine. Qu'est-ce qu'il a me tiré dessus? Qu'est-ce qu'il a me tiré dessus? T'as mangé tes dents, toi. Hein. Tu vas boire la, tu vas manger à la paille pendant un moment. Hein. On s'est fait avoir ou pas? C'est nous? Ouais, c'est nous. Ah non. Ah non, c'est pas nous. Oh, je sais pas. Je ne sais plus. Si, c'était moi. Non. Courir là. Donc, faut pas s'arrêter, c'est pas le moment. Que ça marche comme dans BF, est-ce qu'on avance plus vite si on saute? Je fais que ça, mec, je fais que ça. Pff, c'est chaud. Oh oui, carrément. Ah bah oui. Ah bah oui. Comme dans les films d'action. Ah, c'est tout. C'est tout. Bon, écoutez, on est à 23 minutes de vidéo. On va pas faire un épisode trop long pour cette fois-ci. Comme j'avais dit, c'est un épisode, une mission. On va se laisser là-dessus pour cet épisode. En plus, je vais essayer de le sortir cette semaine, donc je sais que vous avez pas trop de temps pour regarder les vidéos très très longues. Donc comme ça, vous pourrez regarder celui-là tranquillement. Moi, sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bah, laissez un petit commentaire, un petit j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne pour la suite des aventures, pour me suivre plus facilement. Et sur ce, moi je vous dis comme d'habitude, bonne journée, bonne soirée. J'ai fait... Ah non, je crois que j'avais fait 0 headshot. J'ai fait 0 double headshot. Par contre, j'ai fait 29 headshots sur 39 tirs. Ça va, 39 ennemis tués, c'est vrai. Bonne stat. Et je regarde juste précision globale, 78%. Putain, je ne passe pas les 80%. Tout à l'heure j'ai foiré plusieurs fois un ennemi, bref. Donc sur ce, ouais, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bah vous savez ce que vous avez à faire, hein, je l'ai déjà dit. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien et on se retrouve bientôt. Ciao tout le monde, bye.